Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est parti pour le grand raid des Pyrénées 120 km. Là il va y avoir des sacrées patates, un peu comme celle-là, ça va être impressionnant. Je vais traverser des moments qui vont être sûrement très difficiles comme ceux-là. Ça pique sévère. Je suis pas au top. Je me transforme en Mont Madeleine. Mais pas mal de paysages de ouf et je pense qu'on va vraiment vraiment s'éclater. Ça va être quelque chose de très intense, quelque chose que j'ai jamais fait. C'est mon premier ultra trail. Et là on rentre dans la cour des grands, c'est parti. On a des chinois, on a des ours sur la tête, on a de tout. Première côte. Ça, c'est de la descente ça. Et voilà, on arrive au premier ravito. Après une belle montée, une belle descente bien raide. C'est juste un petit point d'eau pour faire le plat. On est 2h15. 1177 de D+, ça pique sévère, 6 km de moyenne, et là on va tout là-haut, et là on voit les mecs pour passer au-dessus là, là où il y a de la neige là-haut. Allez. Et voilà, on arrive bientôt en haut, ce qui nous fait presque 1500 de D+ là, au total, 2006 d'altitude, avec un joli névé. Ah, donc bon, c'est dur, mais pour l'instant ça va. Il fait beau, donc c'est cool. Deuxième sommet. Bon, la descente se passe bien. J'ai juste fait la connerie d'oublier de mettre de la crème NOC. En fait, j'ai mis ma crème dans le sac de base vie et j'en avais pas avec moi au départ. Et donc j'ai les pieds là, qui commencent à frotter. J'espère qu'il y aura des podologues au prochain ravito pour me mettre de la crème. Ça m'arrangerait bien. Il est 13h30 et il fait très très chaud. Donc ce petit passage en sous-bois là, avec un petit faux plat descente, fait vraiment du bien. C'est cool. J'aurais pas tardé à arriver à Jade. Donc le ravito du 25e. Voilà, on arrive à Gèdre. Bon, j'ai pas du tout filmé là. Après le ravito de Gèdre. Je vais faire un petit arrêt à l'infirmerie parce que j'avais des problèmes au niveau des pieds déjà. Donc elle m'a mis de la crème, nettoyé un peu tout ça. Voilà, la montée là était très dure. J'ai bu trop d'eau au ravito de Gèdre, du coup je suis brassé complet. Et la montée était très très raide là. Donc là on arrive au niveau du lac des Gloriettes. Donc au 31e à peu près. Voilà, on va faire plein d'eau. Et voilà le fameux lac des Gloriettes. Et vu comme il fait chaud, je peux vous dire que j'y ferais bien un petit plouf. Un peu de plouf. Je crois que je suis pas au top là les copains. Ah, il vaut bien. Je fais une petite pause. Ah, je suis au bout de ma vie. Ah, t'es tapé tout ça. Je crois que je suis déshydraté. Très dur. Merci. Ça s'appelait Stu Ball. Ça s'appelait Stu Ball. C'est un cheval blanc. Et voilà, ravito des Spouguettes. 42 km. Et je doute sérieusement que je puisse arriver à l'arrivée. Viens, ça te met ta couille. Je crois que je suis déshydraté, j'ai la bouche sèche et j'arrête pas de boire et ça passe pas. Et malheureusement. Bon, là je suis en route pour Gavarnie. Là-bas il y a un gros ravito avec. Avec des médecins et tout ça. Donc je vais voir ce qu'ils me conseillent, ce que je pense que je vais me reposer et puis
laisser mon corps se réhydrater tranquillement. En tout cas, ça m'emmerderait de pas pouvoir aller au bout parce que c'est quand même magnifique cette affaire. Et puis je l'ai bossé quand même. Allez. Bon, je suis bientôt arrivé à Gavarnie. C'était pas beau ça. Putain, on a de la chance quand même. Beau hein. Youhou. Ah mon doudou. On vient jouer. Oui. On court ensemble. Allez viens. On croirait que c'est l'arrivée mais non. Bravo. Et voilà. Ravito de Gavarnie passé. Je suis super content. Il écoute. Parce que le bidon là c'est mieux. Je pense que j'ai réussi à me réhydrater. Et le moral est aussi beaucoup mieux grâce à ma femme et mon fils. Donc tout va bien, c'est reparti. Je pensais m'arrêter et en fait non, j'aurais fait une connerie. Allez, go. Bon voilà, bah écoutez, il commence à faire un petit peu nuit là. Je sais pas si ça se voit sur la GoPro. Donc du coup j'ai mis ma lampe Gollum qui m'a été gentiment prêtée par Gollum, qui est partenaire du trail et dont j'avais fait une vidéo test. Donc je connais bien la lampe. Et comme ils ont un stand sur le trail, et bah, ils m'ont prêté une lampe. Ce qui est super sympa à eux, merci. Donc je vous remets le lien de ma vidéo test de cette lampe ici, dans là, je sais plus. Voilà. Allez, c'est parti pour la nuit. Go. À la soupe. Allez, fini la soupe. C'est parti. Pendant que certains continuent de dormir et que d'autres attendent de se faire masser. Bon, là je viens de passer le ravito de Barège, donc au 80e kilomètre. Tout va bien, j'ai rattrapé beaucoup de monde dans la descente là jusqu'au ravito. Et je vais super bien, je suis en forme. Alors, la sieste d'une heure et demie me fait vraiment beaucoup de bien. Donc je suis vraiment confiant pour aller jusqu'au bout et lui péter cette putain de ligne d'arrivée. Allez. Ça y est. 85 km à peu près, j'en sais rien. Je me transforme en mode Madeleine parce que je sais que je vais aller au bout, putain de merde. Tous ces mois de taf là, je suis en forme et j'écoute la musique de mon mariage. Donc voilà, mode Madeleine activé. Allez, économiser son énergie quand même. Ça y est, il fait jour et ça fait vraiment super plaisir. Le soleil va se lever là-haut là. Donc on va avoir droit à un super lever de soleil. Et nous on vient de tout en bas là. Tout en bas. C'était monstrueux cette côte. Et c'est pas fini. Encore tout ça à monter. Allez. Refuge de la glaire avec le joli lac. Bon là les cuisses commencent à être vraiment très dures là dans les descentes à pic. J'imagine que c'est le temps de s'y faire mais derrière on a une belle patate et on va tout en haut. Je sais pas trop où mais on va tout en haut là, ça va être dur ça aussi. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Bon, et bien comme quoi, c'est très aléatoire cette affaire, parce que là, je viens de faire une petite sieste. Et je suis bien sec. Mais bon, faut bien repartir, hein. On va pas rester là. Ouais, plus de 30 bornes. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire dans ce chantier? Et on doit aller tout là-haut? Tu vois là où il y a le soleil, là? Bah on va là. Allez. Sur ton rocher, viens, tranquille. Tu continues tout ça. Tu vois un chemin toi?
Non, il n'y en a pas. Ah non. Merci. Bon. Merci de même. C'est sûr, je l'ai raté. Bon, maintenant, faut descendre ça. Bonjour, je voudrais des cailloux. Ah bah désolé, on en a plus. Ah bah si, on en a plein. Bon, c'est beau quand même, hein, faut le dire. Quand je vous dis que c'est un chantier. Allez, on se dirige vers le dernier ravitaillement. Et avant, il y a encore un col à passer. Petite joyeuserie là. Passer là-haut là. Et après, ça c'est l'avant-dernière montée. Après, il y en aura encore une. Et après, direction l'arrivée. J'y attends. Ça va ? Et voilà, je quitte le dernier ravitaillement de Merlan qui est derrière moi. Et donc là, on a une petite côte. Et après, c'est que de la descente sur peut-être 10 km. Voilà. Allez, dernière ligne droite. Et voilà, dernière côte. Check. Ça, c'est fait. On n'a plus à monter maintenant. Donc maintenant, c'est parti pour de la descente. On se retrouve à l'arrivée. Allez. Et voilà, ce sont les derniers mètres de ce grand raid. Les Pyrénées, 120 km. On va aller se claquer cette ligne d'arrivée en famille. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo du GRP 120 km. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, d'avoir regardé toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous a beaucoup plu. Si celle vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ferai un débrief de mon GRP avec tous mes conseils concernant le parcours, mais les erreurs que j'ai fait, je vous ferai un petit point là-dessus aussi. Et puis, bah écoutez, moi je vous laisse en allant me bouffer une soupe aux champignons. À très très bientôt, c'était François, bye bye.